Revanche entre World Clock et Tullio. Encore une fois, c'est le Xel qui prend l'ini. On a l'air d'avoir changé de mode. Alors, ça spamme les horloges. Protection aveuglante qui a été posée. Dévouement. Ralentissement à moins 3. 12 PA donc pour Tullio sur ce T1. Il va corrupt, bien évidemment. Oh, il est buff. Bon, c'est un peu la même chose que au combat précédent. Mais ouais, il a 5% R, donc il doit être encore en Pandalash. Et ça tape bien sur les critiques. Allez, on remplace la proté qui s'est fait des buffs par le contre. Yo qui encaisse avec son sac animé. Et qui a esquivé les PA surtout. Il reste que 2 PA sur World Clock, donc il va conserver beaucoup de PA là, Tullio. Et il va pouvoir aller mettre des coups de hache. Ou bien jouer le cadran. Bien jouer le cadran, parce qu'avec une fuite, ça suffisait pas. Et on est obligé de s'accel, donc pour Tullio. Il y a 3 PA en plus des coups de... Et il veut debuff le compte d'abord, bien sûr. Ok. Et donc on va pas mettre de coup de hache. Bon pour l'instant c'est exactement comme le premier match, c'est la deuxième Fantou qui passe. Et l'appel animé pour forcer la libération. Allez, invocation du Doppel. Il va donner donc la protection aveuglante. Pas de momie cette fois-ci. Alors, la fanto. Oh, qui passe cette fois-ci. Il reste 8 PA. On pourra mettre 2 coups de hache. Ouais, là, ça cogne bien. C'est pas le même combat que tout à l'heure. La World Clock, il est à 1000 HP déjà. Ah, il y a beaucoup de Xel et des Nutrophes en ce moment, c'est un peu la mode. Bon après, Enu, moi j'aime bien, c'est... Ça reste des combats assez dynamiques, même si bon, je sais que ça plaît pas à tout le monde. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle classe vous aimez voir en PvP. J'ai l'impression que, en fait, toutes les classes, à chaque fois qu'il y a une classe... Que je montre, il y a toujours des gens pour dire qu'ils aiment pas cette classe-là. Bon, sauf les classes que. Bah, les classes un peu low tier, quoi, genre Yop et SRAM. Alors, cette fois-ci, les fantômes ne sont pas passés. On conserve la momif pour World Clock et il est sous cupidité crit. Mais bon, il s'en sert pas vu qu'il spamme les horloges. Il est en train de rattraper petit à petit son retard. Il va falloir trouver cette fanto. Allez, Tullio. Oh, c'est vrai qu'on est tour 6. Relance corruption. Et la fanto qui ne passe pas. Mais bon, c'est pas très grave s'il passe la première sur ce T2. Enfin, sur ce deuxième tour de corruption, pardon. Ça peut être très intéressant quand même. Ok, ça crit. Alors, il va pas tuer, mais il va laisser World Clock avec moins de 200 HP. Oh, l'appel animé qui fait un duel avec le cadran, magnifique.
Allez, les horloges, du bon retrait quand même là qui est passé. 9 PA seulement sur Tullio, mais est-ce qu'il peut trouver le kill? Il y a juste une protection aveuglante. Je pense qu'avec deux coups de hache, même un, ça le fait tranquillement. Il va y aller avec des sorts. Ok, bon, heureusement que ça crit parce que je pense que ça tuait pas. De fantôme au crit. Mais bref, j'ai... On est sur Alisteria et Nu Sacri. Un matchup qu'on voit beaucoup. Et Nono qui a pris l'initiative. Bon, maîtrise des haches. 49 neutres quand même sur Dieu. C'est 50% R. Et c'est bien une pandalache neutre. Bon, la ligne terre qui fait quand même mal. Et ça spam la pandalache, c'est magnifique. Allez, Zeus qui s'enfuit. Après avoir utilisé châtif forcé agi. Nono qui se débarrasse. Oh, qui rush, ok. D'accord, d'accord. C'est vrai qu'il a encore son sac animé pour se protéger. Et il continue de taper. Oh, les dégâts de cette hache. Parce que là, bon. Un coup de cac à 400. Et c'est un coup de cac à 400. Ah, mais lui aussi joue hache. Non, mais... Aïe, aïe, aïe. C'est un coup de cac à 400 sur 49 et 50% de res. Et 33. Ouais, c'est... Non, je... Qu'est-ce que... Voilà. Bon. Je... Voilà. Je vais finir par me ranger du côté des aigris dans les commentaires, mais... Non, là, c'est... Ok, un peu de combat à distance. Ça va lancer quelques sorts. Et évidemment, Zeus, il est sous zone punie, donc... On s'enfuit pour Nono, qui n'a que 33% de neutre. C'est pas énorme, même pour tanker une punition. Ça peut aller très vite. Et Zeus qui doit être content puisque sur ses folies sanguinaires, il a eu un échec critique et pas le moindre critique. Allez, la maladresse. Passe à moins 2. Ok, Zeus qui vient attaquer le Doppel pour deny l'accélération à Nono. Est-ce qu'il a un châtier osé? Non, il n'a pas de. Il n'a pas de châtier osé. Voilà, Kawat qui. Survie à cette désinvocation, ça coûte le lancer de pièces. Ouais, la fanto qui passe de toute façon. C'est assez cool hein, qu'ils aient empêché les effets indébuffables de disparaître quand il y a un debuff. Et double abso. On se régène avec l'épée. Il veut... Ça veut pas crit, hein. Ça ne veut pas. Non, non, non. Allez, Cupie, plus boîte de Pandore en crit, plus maîtrise des haches crit. Il est chargé, ce ténu. Et il arrive à débuff. Ah, lui, par contre, il crit, hein. Ah, lui, il crit, hein. Là, il peut se faire attirer que jusqu'à cette case. Et ça va pas attirer, je pense. De toute façon. Et non, il y a une relance corruption, donc AMF. Il va la prendre dans tous les cas. Il aurait d'ailleurs dû aller par là-bas, je pense. Parce que là, la corruption, elle est totalement free. Même si, du coup, bah, elle était exposée. Mais bon, dans tous les cas, Nono pouvait aller chercher la diagonale ici. Donc, ça aurait au moins forcé l'accel. Donc, ça aurait coûté quelques PA et...
Ça aurait deny un tour. Mais bon, Nono, là, du coup, qui vient au contact et qui va utiliser à nouveau sa hache. Alors, est-ce qu'il va réussir à échapper à la punition? A priori, non. Il va la prendre, cette puni, et il va bien la prendre. Après, Zeus, est-ce qu'il y a des châtis? Oh, il y a quand même... Ok, ça fait deux tours qu'il s'est pas fait des buffs. Oh, la bonne puni. Dommage que ça crit pas. Et Zeus qui se défend tout de même. On essaie de debuff la dérobade, mais ça ne veut pas. Ah. Ok. Mais c'est un peu tard. Elle avait crit cette dérobade. Ok, elle avait crit, donc c'est quand même important d'avoir mis cette dernière fanto. Oh, il y a un châtiment aux maintenant, mais il n'y a pas de stats. Évidemment, on s'est fait des buffs. Non, mais il est depuis un moment, en fait. Ok. Attends, mais il est pas au sacrifice du sac, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un sac... Bon, j'ai rien compris. J'ai dû rater un truc là. Bref, Nono qui envoie du roulage de pelle. Mais c'est le sac qui était invoqué T1 ou quoi? Non, ça n'a aucun sens. Ah, il a peut-être recé le sac. Ok, il a juste C en fait. Je suis totalement fou. Mais juste que je n'étais pas concentré là-dessus. Ça m'a perturbé. Bref. Allez, Zeus, qui vient sur son chauffeur. 2300 HP, il a quasiment 1000 HP d'avance. Et un Nono qui cherche peut-être la portée pour des roulages. Et ce sera du remblai. Il n'y a pas de ligne de vue pour prendre la zone avec le chauffeur. Ça donne quand même des stats. Ah! Eh ben. 200 HP en moins. Bon, un peu moins. Ok, relance Cupi. Et là, du coup, Zeus, il va être bien châti, là. Il a beaucoup de stats. Il y a une punie, là, mais bon, il y a encore le sacrifice du sac. Ok, il n'y a plus de sac. J'avais pas noté, mais il joue en 15-9, Zeus. Beaucoup de PM. Allez, 1700 HP, 1300 pour Nono. Ah, la bonne mala sur la kawotte. C'est très bien vu. Ah, il veut pas crit hein, sur ses folies. C'est catastrophe. Hein. Alors qu'il a eu 3 OC quand même, dont 2 à la suite. Allez, on se débarrasse de la kawotte. Je m'étonnerais qu'il l'a porté quand même. Oh, et on a le retour du Doppel et Nutroph.
Il y a toujours une corruption hein, de disponible. Le problème, c'est que si Zeus a un angle pour poser une punie, il y a moyen que Nono explose. Toujours pas. C'est une dinguerie, par contre. Mais il est pas 1 sur 2, c'est pas possible. Eh Nono, donc, il va s'attaquer aux invoques. Ah, qui récupère des points de ville avec cette boîte de Pandore. Et finalement, non, il s'attaque directement à Zeus avec tu remblais. Ça fait quand même très peu de dégâts. Par contre, attention, hein, parce qu'avec une coop sur le Doppel, il y a une clé, là. Oh, il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé, là, les amis. Ouais, le Doppel qui s'avance, mais c'est... Il finit, là, non? Il avait mis une punie à 1100. Après, il n'est pas tout à fait opti. Et ses invoques n'ont plus d'HP. Ouais, mais là, ça crit. Ok, bien vu. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de finir? Parce que là, avec une fanto, si ça passe du premier coup, ça peut enchaîner sur une corruption. Attention la fanto. La fanto qui ne passe pas. Et donc, même si la deuxième passe, il n'y aura pas les PA pour Corrup. Et de toute façon, elle ne passe pas. C'est échec et mat. Ah, non mais non, ça ne... Vraiment une histoire de critique, ce combat. Et c'est ce qui va pouvoir terminer tranquillement. Est-ce qu'il laisse ça à son épée volante? Non, foudrement. Ok, GG.